Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Spyro intitulée « À la recherche des joyaux perdus ». Oh, tu m'as déjà donné le titre. Oui, magnifique, merci. Je sais que parfois tu as du mal, alors je t'aide. Merci, c'est gentil. Donc, comme l'indique le titre de cette vidéo, nous cherchons Spyro des joyaux perdus. Est à la recherche de un truc du genre 47... Oui, c'est ça, 47 joyaux. 47 joyaux. Et un talisman. Et un talisman, mais ça, le talisman, il est gratuit, alors ça va. En plus, attends, tu vois, t'as le meilleur talisman du monde, là. Je me suis spoilé le talisman quand t'as appuyé sur pause. Ah oui, je vois de quoi tu parles. T'as le meilleur talisman du monde. Bon, je veux la tuer, mais j'en ai pas besoin. Hein, mais si, c'est pour gagner une vie, peut-être. Bref, j'espère que tu vas bien, non? J'espère que tu ne vas pas tomber cette fois. Mais non, t'inquiète En ligne pas. Droite. Ah bah oui, du coup, tous les monstres sont morts, en fait. Oui, je suis tranquille, là. Tiens, la voilà ta vie. Voilà, voilà tes joyaux perdus. Allez, courage! Il ne te reste plus que quelques joyaux. Ah mais non, je comprends pas. Et lui, il est pas mort. Bah oui, alors pourquoi ils me disent que j'ai tué tous les monstres? Sérieux? Oui. Il le dit vraiment? C'est écrit que j'en ai tué 29 sur 29. Mais maintenant, tu en auras tué 30 sur 29. Ou peut-être que pas. C'est peut-être lui qui va te tuer. Et oui, ça me paraît que c'est bizarre. Et là? Bravo! J'ai glitché le jeu. Bravo, bravo. Bon bah voilà, tu vois, il y a un canon. En purée, j'espère que tu vas pas devoir redescendre pour aller chercher tes joyaux, par contre. Tu vas avoir ça. Déjà, c'est... Je peux pas aller plus bas. Hein. Si, tu peux aller plus bas. Plus bas! Plus bas! Regarde les petits joyaux qui tombent. Non, ça va, ça va, ils sont tombés en bas, mais pas si en bas que ça. Mais attends, c'est quelque chose de nouveau là-bas? Mais non, c'est de là d'où tu viens. Oh. Mais... Non, il faut que tu remontes. Oui, je sais, mais... Je peux pas remonter. Mais... Il faut que je fasse le tour. Mais oui. C'est n'importe quoi. Je suis déçu. Mais non, mais pas par là. Attends. Je comprends pas. Ah, pardon. Oui, c'est bon, je vois où je suis. Non, mais en fait, je comprenais pas où j'étais. C'est pour ça que j'arrêtais pas de faire des trucs bizarres. Casse la porte! Casse la porte! Mais non, mais je comprends pas ce monde. Je veux dire, ils t'ont quand même fait un monde avec des... Mais non, il va... Mais je comprends pas ce monde. C'est pas normal comme monde. C'est pas logique comme monde. Non, mais t'as vu la tête des personnages? Ils sont méchants. Ils inspirent pas la gentillesse, ces personnages. À la limite, ils inspirent la bêtise, si tu veux, mais... Regarde, c'est la fin. J'ai tous les joyaux. Ouais. Oh, quelle explosion! Heureusement que je portais mon casque. Ah bah oui, il faut toujours porter son casque. Je vais te remettre ce talisman pour avoir réussi à briser la défense des faiseurs de brise. Des bons boulots, soldats! Des bons boulots. Merci. Regarde, ce magnifique talisman. Oh, wow. En plus, il est trop beau, en plus. Waouh. Voilà, bon, rien que pour ça, on est quand même content. Non. C'est dur de passer la porte. Je me suis pris. Regarde, qui veut des graines? Qui veut des graines? Ah bah dis donc. Qui veut des graines? Moi, je suis le piaf, je veux des graines. Mais regarde, il est trop mignon cet oiseau. C'est pas un méchant. Miam, 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 miam. Oh magnifique. Une crise d'épilepsie lande. Il était devenu un vrai Rathalos. Et voilà. Tu as fini, Zephyr. J'espère que t'es content. Oui, je vais te redonner la manette parce que c'était beaucoup trop, là. Ok. Je dois me reposer un peu parce que c'était n'importe quoi. Allons trouver un monde sympathique. Il y avait un truc là-bas, j'ai eu l'impression. Ouais, mange les trucs. Ah non, ça brillait pas réellement, en fait. On t'a menti. C'était de la fausse brillance. Oh, des joyaux là-haut. Floris là-bas. Bien entendu. C'est connu. Encore? J'ai cru que le mouton là-bas c'était un joyau, mais non, c'était un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais, Spyro? Mais tu sais pas grimper aux échelles, mais bon pourquoi sang. Il va pas sur le... Pourquoi il était pas sur le côté comme ça? C'est bizarre. Tu te déplaces pas sur le côté comme ça, Spyro. C'est bizarre. Oh, le niveau. C'est mon niveau préféré, celui-là, en plus. Ah oui? Donc, je dis ça au hasard. Brasier. Ah non, mais ça, c'est mon niveau préféré, c'est écrit dessus. Je vais te les laisser. Ah, t'es gentil. Mais je sais pas s'il y a d'autres niveaux, en fait, à part le... Bon, le tu vas rentrer là-dedans, oui. Et il y en a deux ici, je peux déjà tout spoiler qu'il y a deux... Alors ça c'est quoi?
Colline de faille, oh, ça a l'air sympa. Ça me rappelle une amie. Oui, j'ai pensé pareil. Mais tu fais quoi là? Je vais me balader un peu dans le hub là, tu vois. J'ai envie. Qu'est-ce que professeur, tu... Suisse. J'ai du mal à ouvrir. Non, je suis pas suisse. Et je pense que l'énergie de quelques boules pourrait y remédier. Mais j'ai déjà plein de boules. Tu en possèdes une bonne quantité. Bah oui. Bah oui, j'en ai plein moi. Ah, il en faut que 8. Ah bah, si ça c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup. Oui. T'as oublié un joyau rouge derrière. Goku. Moi j'ai envie d'aller sur la petite île verte là. Moi je veux aller sur la petite île verte, c'est tout ce qui compte pour moi. Est-ce que c'est là-bas la petite île verte? Non, moi je m'en fiche, j'ai pas envie de te payer des sous. Va-t'en! Non, je veux pas le château, j'aime pas les châteaux. Mais tu pourrais dire oui quand même. Non, je mentis, j'aime bien les châteaux. Moi je veux aller sur la petite île verte, c'est tout ce qui compte pour moi. Ah, ouais, là, c'est voilà. Un circuit. Il y a deux circuits? Oui, mais je viens de le dire. Oh, pardon. Wow! Je le savais. Incroyable. Ma zone préférée. Il est grand ce palais de l'automne. Ouais, ça mais un... si t'aimes bien les châteaux, pourquoi tu veux pas aller dans le niveau château? Gars, ça ferait un joli endroit, ça. Tu préfères avoir le pont ou pas? Est-ce que tu voudrais habiter ici? Ouais. Est-ce que tu préfères avoir le pont ou pas? C'est quand même mieux, oui, pour okay. Y aller. Bon, on va acheter le pont, alors. Mais non, Spyro... Et t'as même pas pris tous les joyaux. Mais qu'est-ce que tu fais, Spyro? Bonjour, je voudrais acheter le pont. Achète le pont! Oh, il y a un joyau. Je peux te faire entrer dans ce petit château en échange de quelques joyaux. Oui. En échange de... Personne n'a passé ce portail depuis des années. Je pensais ne jamais rencontrer un idiot. Jamais un idiot, jamais. Tu vois, il peut pas le dire pour de vrai. Oh là là. Je me suis fait racketter. Ah, mais je pensais que t'irais. Mais t'y vas pas. Tu veux que j'y aille? Mais non, mais arrête de faire des allers-retours. Vas-y, fais ta vie, c'est pas grave. Non. Regarde là. Oh, joyau violet, trop bien. Oh, bien. Non, on va pas parler à Bianca. C'est pas Bianca. Et Laura. Elle va me dire, voici la forêt d'été. Non, tu es dans la forêt de l'automne, désolé. Ouais, mais c'est ce qu'elle m'aurait dit, tu vois. Oh, je croyais que t'avais oublié des trucs ici, mais en fait, non. Regarde, cet endroit, il est joli. Ah, ok, d'accord, on peut pas monter. Ah, je suis déçu. Ah si, t'as vraiment oublié des joyaux. Je croyais qu'elle allait m'électrocuter encore une fois, mais... Visiblement, non. Eh, on a toujours pas trouvé de boule, d'ailleurs. Mmh. On en a où, hein? Sur le toit. Okay, on a que 255 joyaux ici. Attends, mais ce hub est réellement gargantuesque en fait. Même pas une boule là-haut. Oh, tu entends le vent. Regarde, petit château. Trop mignon. Il fait quand même plus maison que château, hein, là, vu d'ici. Bon, alors je vais aller. Tu peux pas aller sur le toit derrière. Quel toit? Bah là. Oh là, oh là, je le sens pas. Oh! Non, mais je me disais peut-être qu'il y avait une boule. Je suis Spider-Man! Bon, ok, je suis pas Spider-Man, j'ai menti. Bon, on va aller dans un niveau, ok? Ok, ok. Qu'est-ce que t'en penses de cette idée? Non, mais t'es bien dans le hub, hein, tu devrais continuer. On va chercher les boules. Non, fais pas ça, Spyro. Tu n'as même pas récupéré tous les joyaux, mais je crois que c'est parce que t'es pas allé sur l'île verte ou dans le château, par exemple. On va aller dans le château, ok? Et après, j'irai dans le brasier. D'accord. Tu vas rester ici? Oh, ok, ok, pauvre, ok. Le pauvre professeur. Il s'appelle comment ce niveau déjà? Cône? Cône magmatique. Magnétique. Ou magmatique? Je mais non, pas magmatique. Pourquoi un cône serait magmatique? Ah, ce château. De la princesse! L'oasis ombragé. Pas très château, oasis. Ah, là, ça fait monde de l'eau, hein. Moi, je te dis, c'est fait tu fais pour ce toi. Niveau. Oh oui, bah oui, mais oui, mais la caméra, là, comment voulez-vous? Ah mais on perd vraiment une vie. Mais d'habitude le hub, quand tu tombes dedans. Mais tu crois que t'as perdu? Ah non, y a pas de monstre, pardon. Oui, donc je disais, normalement, dans les hubs, quand tu tombes dans le oh, vide, y a un truc là-bas. Une magie te, ah ouais. Te permet de. Comment je sais ça pas si on peut aller là-bas. Comment tu m'écoutes pas hein, mais moi, si je t'écoute te parle plus. Mais non, j'ai entendu d'habitude dans les hubs on peut pas perdre de vie, mais là on a perdu une. Regarde, vie. Ça fait un chemin, on peut y aller là. Je vais aller là-bas. Mon endroit préféré. Oh regarde une boule. La boule magique. Oh. Oh là là. J'ai pas trouvé que la boule magique. Hein. La boule de lavage. Également. Bon, on va courir. Tirp. Non, mais de toute façon, t'as dit que tirer dans le niveau du château. Hein. Oh, des... Joyaux. Oh, on peut oh un, ça. Casse ça. Oh, bah, voilà. J'ai trouvé la deuxième boule. Incroyable. Mais tu n'as pas trouvé tous les joyaux.
Bah oui, j'ai pas encore été sur la petite île magique. Ah oui, c'est vrai. Regarde, en plus, écoute cette musique relaxante. N'est-ce pas magnifique? Ah oui, non, mais moi, j'aime beaucoup cet endroit. Hein. Bon, oh, c'est dommage que... Regarde ça, là, mais quel talent! Mais pourquoi t'as fait ça? Ça ne sert à rien. Pourquoi? J'aurais fait quoi? T'aurais pu prendre la porte. Mais j'ai pas envie de prendre la porte, j'ai pas envie de faire un circuit, là. Ah! Tu me sens d'humeur à faire un circuit ou quoi? Qui sait? Moi, je vais aller dans le château. Non, je rigole. Je veux aller sur mon petite île verte, là. Moi, je dis que cette partie va être dédiée au hub. Et aller sur la petite île verte. Oui, bah oui, hein, comme tu l'as appelé, la partie, elle s'appelle à la recherche des joyaux perdus. Elle est incroyable, Spyro. The Amazing Spyro Man. C'est n'importe quoi. Et j'ai rigolé en plus. Attends, il a disparu du coup, le professeur, là, c'est bon? Tu lui as shooté dedans, c'est fini. Il a dit ok, d'accord. C'est comme ça qu'il me remercie, Spyro. Est-ce qu'on peut y aller d'ici? Ouais, on peut y aller. Mais oui, regarde, c'est fait pour. Ah, parce qu'il faut... J'aimerais pouvoir te laisser entrer dans ce circuit gratuitement. Vraiment. Mais le règlement est strict. Tu dois payer. Ah. Tu fais le bon choix. Tu fais le bon choix. Qu'un dragon parce que... rapide comme toi gagnera vite de l'argent. Ok. Bon, bah voilà, on a fini la plaine automnale. Du coup, je vais dans le château. Si tu veux. Pour te faire plaisir. Attends, j'ai quand même envie de voir un truc. Avant. Avant toute chose. De toute façon, cette vidéo ne sert à rien, donc autant qu'elle serve à rien jusqu'au bout. Oui, c'est bien qu'il y ait magmatique et pas magnétique. Mais oui, mais c'est je sais lire, moi. Bravo. Voilà, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine partie de Spyro 2. Au revoir tout le monde.